Allez, salut les gars, c'est Spy Fishing. Salut. 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 On est en session carpe pour deux jours et deux nuits pendant les jours fériés du mois de mai. Donc on fait l'intro un peu en décalage parce qu'on est déjà arrivé mardi soir. Et c'était compliqué, donc même les soirées étaient un peu compliquées. Non, niveau installation matérielle, tout, c'est surtout ça. Voilà, il y avait pas mal de boulot, même regardez, on a installé un tarp, peu importe. Voilà, donc petite session carpe, et il y a des belles surprises et des beaux poissons, donc vous verrez que vous allez pouvoir voir quelque chose de sympathique. Des belles images. Et voilà. Voilà, on vous laisse sur ça, et profitez de la vidéo les gars. Et pensez à vous abonner. Allez, ciao à tous. Pêchez la vie. Tous. Voilà. Putain, on a même pas fini de tout monter. On était en train de mettre les tentes. Je sais même pas si on voit quelque chose là, mais. Et il y a départ. J'avais pas préparé la GoPro, il n'y avait pas la carte SD, on était vraiment pas. On a posé les cannes mais on s'y attendait pas. Oh, elle a l'air jolie en plus hein. Ouais. Et il est 22h15, 14 et le PSG perd 1-0. Allez, la première de la session. Aquí. La première bien jolie. Ah, ça régale ça, ça commence bien. Ah, ça fait du bien ça. Premier soir. Ouais. 22h15. On n'a pas encore fini d'installer, que déjà on en a une. Ah, le petit bisou. On tourne à l'Ouma Grande. Ça c'est bon. C'est bon. Là maintenant, on parle sérieux. Il a failli perdre le steak. Reste là, bah oui. Tu bois un coup, tu manges un bout et on fait du fish. C'est Allez. Pas beau ça? Ça c'est beau ça. Hein Manu? Ah ouais. C'est beau ça. Allez, 6h20. Départ. On n'a même pas le temps de faire des dodos. C'est ça. On a pas couché à 4h du mat. Ah oui. Elle pas la grosse Melvie. Tu avais posé en face là? Ouais. Je suis allé poser en face avec la dollar. Tu vas aller chercher avec le bateau ou tu la ramènes? Ah, le bateau. Non, franchement. Ça va aller. Franchement, je me sens pas démonté. Moi non plus. Allez, elle y est. Yes. Elle est là. Bien joué. Si tu y arrives. Eh oui. On va faire les photos pour la petite release après. Ah, c'est beau ça. Le 6h20, ça pique. Montre-moi ses yeux un petit peu. Ouais. J'avoue, j'ai envie de revenir au lit là, j'avoue. Oh là là. Elle est plus zette, elle est déjà là. Oh ben, ça fait combien de temps qu'on a remonté l'autre? 10 minutes, un quart d'heure? 10 minutes. Et puis cette. Elle est encore mouillée. Et c'est Nico. Et quoi, t'as le réveil qui sonne, il est 6h45. Ah ouais, c'est le réveil d'hier. Je te l'amène en garde. C'est une miroir. Ouais, c'est une miroir celle-là. C'est bicolore. Mais au fond. Bon ben voilà,
On les a faites avec 10-20 minutes d'intervalle quasiment. Un petit coup de cul, c'est rare quand même qu'on les fasse en même temps. C'est vraiment une extrémité une autre en plus. Joli de poisson matinaux. Voilà, c'est couleur que là, c'est le miroir. Allez, allez magnifique. On va remettre à l'eau. Allez, petite release. Allez, plonge, plonge. Plonge, il est noir. Allez, deux de plus. Contact. Petit départ pour Manu Waters. Quelle heure il est? Il est. Allié. C'est celle du trop encore. Tu l'as raté? Elle vient vers toi, non? Elle revient. Regarde parce qu'elle sent mal qu'elle te prend les rochers, pas vers elle. Ah ouais, regarde comment elle y est. Allez! Des crocs. Ouais, mais ça avait pas l'air. Peut-être c'est une brème ou un truc comme ça. Mais tant pis. Merde. Tiens, sous cette souche. Ouais, là il a posé. Tu peux même la reposer de suite. La souche qui est là. Et c'est le départ qu'on a eu tout à l'heure, le deuxième départ qu'on a eu à 6h40 à peu près. Premier à 6h20. Allez, on va reposer. Allez, départ! Pigeon! Ça. Mais t'es où toi? Elle a fait gaffe, fais le tour de la souche avec la canne. Passe derrière. Bride là, tiens, elle va te niquer. On a fait la bordure. Bride là. C'est quoi ça? Elle est passée derrière Manu. Passe la souche. Elle est là, elle est là. À droite, à gauche. Attendez les gars, là c'est fatigué. Qu'elle a pas encore. Vas-y, prends. In the net! Mais c'est quoi ce truc? À droite, à gauche. Hey! La furieuse! Je sais pas si je vais à droite ou si je vais à gauche. Ouais, fais-nous un petit sourire. Je crois que les poissons aussi furieux, je crois que j'avais rarement vu ça. Allez, release de la carpe. Hey, Pichon. Voilà. L'installation. On va vous montrer un petit peu notre installation. On s'est mis sur une ancienne route. Donc on a l'enrobé qui est posé dessous. On a un premier hotpot là avec le bivy d'Arthur et Ilano. Notre point social, barbecue, apéro et tout ce qu'il faut. Ilano et Manu. Ilano, c'est Arthur. Ah oui, pardon Arthur, oh là là. Je suis encore fatigué d'hier soir, désolé les gars. Mon nouveau bivy, Betcher à l'intérieur, voilà. On a un autre hotpot posé là-bas, avec trois cannes dessus. Et voilà. On n'est pas bien là? On n'est pas bien là? Hein toutou? Il fait le con encore. Allez, on continue. Nouveau départ. Le fil est trop content. Oh non! On l'a raté mon toutou, on l'a raté! Merde! C'est loin aussi hein! Et un raté supplémentaire! Je voulais la changer Manu ta pop-up! Mais bon, même si on rate,
c'est quand même bon parce qu'il y a du départ quand même. Allez, on arrive sur la deuxième soirée et on retourne poser les cannes pour une dernière fois, histoire que ça tienne la nuit et voir peut-être moins s'il y a un départ avant. On a espoir. On va se mettre sur la berge en face là. Le soleil y tape et j'espère que ça les ramène un petit peu et qu'elles viennent manger là. Tranquille, là c'est bon. Elle est là, on la voit. Grise, tranquille, fatigue là. Oh, c'est mignon. C'est juste d'éviter qu'elle frotte trop. Et allez! Bien joué, Manu! Bien joué à toi! Hein. Et voilà! Il ne faudrait pas qu'on ait notre départ de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est, ça, toutou? J'ai mis mode portrait, tu tournes en prends là à la verticale. Allez, montre-nous ça, Ilano. Qu'est-ce que c'est, ça, Luffy? La lèche. Eh ben voilà, on en comptabilise tous une, oh, là maintenant. Allez, on va faire deux photos et on va la remettre à l'eau. Allez, on release. Oh, j'ai tout qui est rempli d'eau. Allez, merci ma belle, c'est vraiment beau. Yes. Combien de fiches là? 5? C'est le 5ème je crois pour ici là. Ouais. Ça c'est cool. Superbe. Au top. Au top. Les casses. Je sais pas comment ça. T'as appuyé dessus, ça filme là? Ça oui, se zoome pas filme, après, hein. Ah ouais, tu peux pas. Non. C'est, tu filmes là et après moi je zoome quand je fais le montage. Mettez les casques. Et les gars, ça la fait précision, mal, la précision. C'est drôle. Mais c'est un type qui était dans la tente avec sa femme là, en train de niquer. Oh, ça a pas fait il a passé la tête, yo, qui c'est? Les garderies fédérales, vous inquiétez pas. Il a sorti. Tu vois ou pas là? On y voit un poil. Hein. Ça c'est la soirée. Quelle heure il est les gars? 2h20 du matin. On attend que qu'il y ait un départ. Oh, pas les étoiles, watchy. Pêcher la vie! Et garde le smile! Voilà. C'est 2h du matin et, on a nos fondeurs de bûches. C'est 3h. Ah, 3h, pardon. 3h du matin et on a nos fondeurs de bûches là. Oh! Oh arrête. Allez, ciao la machette! Ciao la machette! Allez, arrive à la fin, on filme. On est pire. Allez! Allez, la bûche, elle est pas fondue la bûche! Vraiment ma bière! Allez! Bonsoir! Bonsoir! Et ça va directement au feu! Allez! Garderie fédérale! Avez-vous les cartes de pêche? Impeccable ça! tu as la stabilité ou pas? Mais heureusement que la GoPro là, parce que moi je l'ai plus! Hein. Ne mets pas tout, comme ça on peut garder le feu plus longtemps. Et rebelote, 7h du mat. Et départ. Hein? Ouais, mais on va prendre d'abord le poisson. Hein. T'auras le manteau après, mon grand. Heureusement, elle a pris le large. Et qu'elle n'est pas allée se frotter sur le, non, sur le bord de la berge. Elle est allée vers le large. Heureusement. Regardez comme c'est beau le matin. Oh, joli là. Joli, joli miroir. Et on retrouve les mêmes au bord de l'eau encore.
a décidé qu'elle nous donnerait froid. On n'a pas eu le temps de s'habiller, on est sorti en courant. Ouais. On l'a. Oh là là là. On a attendu celle-là. Yes. Oh. Félicitations. Nice. Oh, je vais tomber. Allez. On va poser ça sur le tapis. Ah, on a le lever du soleil, impeccable. Allez, petit poisson en matinale pour Manu. Toujours sur la même canne. Il y a la nuit très très calme. Allez, on va remettre ça à l'eau. Allez, quand tu veux. On est jeudi 11h, on a fait une autre carpe comme vous avez pu voir ce matin avec, avec Manu. À 7h du matin, ça piquait un peu parce qu'on s'est bien amusé hier soir quand même. Ouais, on a tardé un petit peu. Et là, on refait le tour un peu pour reposer toutes les cannes. Hein. Et là, on en est à celle d'Arthur. Histoire que ça pêche au propre toute la journée. On pose en face. Il commence à faire chaud, on a du beau temps un peu, en fait ça se découvre. Et du coup, invention sur l'enrobé directement. On peut même pas planter les bouts de bois. Tu utilises le gros pavé. Parce que là tu planteras pas une sardine. Et après, on fait on se met en position pour pouvoir se faire un barbecue. Ah ouais, ça va peut-être tenir. Hein. Voilà. Fabrication artisanale. On est pas bien là hein? On est bien. Putain, ça fait mourir. Bon, là-bas, il y a une mamie qui fait bronzette. Hein. Et là-bas. Oh. Non, non, il est pas en train de lui couper les ongles des pieds quand même. Le type en face il coupe les ongles et les pieds de sa femme s'il te plaît. Là. Et entre deux il mange une romaine de saucisson. Il n'y a pas de logique hein. Bah ça donne du goût. Et quel saucisson? Quel saucisson? Du coup c'est le saucisson au reconfort. Tiens, on est bien sous ce tarpin. C'est super sombre. Merci Nico de nous avoir laissé le bivier. Parce que là bon, on l'a réaménagé un petit peu. Mais franchement on est royal là. On est au top. Hein. Avec la lumière, voilà. La bombe. On est bien. La bombe. Merci là, mon Nico. Commence à faire super froid en plus là dehors là. Ouais. On se pèle un peu les miches. Là. Mais, il faudra peut-être pas trop laisser la bouteille de rouge devant le pôle à pétrole. Pêcher ouais. La vie et garder le smile. C'est ça. Non, non, vas-y, regarde comment on va faire. Bon, ouais, Manu, présente-nous ce petit fish et comment tu l'as pêché. Oh, ben. Berge d'en face. Comme depuis 2-3 matins, on se fait réveiller le matin alors qu'on est bien tranquille au chaud dans le lit. Bon, cette fois-ci, c'est pas sur notre bordure, hein, c'est en face. Ça. Celle-là, il a fallu prendre le bateau, parce qu'elle devait être derrière une souche. Et même au-dessus du bateau, quand même, elle m'a fait un petit combat. Allez, t'avais échoué avec quoi, un petit dumbbell? Ouais, comme un petit montage que j'aime bien, là, un combi rig avec le fameux dumbbell jaune, là, équilibré, sur de l'amorçage à la graine. Au et, top. Et voilà, au top. Moi, ce fiche. Allez, hop.
Et salut, bon voilà les gars, cette session arrive à la fin. Nico est reparti chez lui s'occuper du chien, voilà, il a dû partir un petit peu plus tôt. Ben, on s'est pas mal régalé, le poste était cool, on a une météo plutôt clémente, on fait des jolis poissons. Et voilà, comme d'habitude, on s'est bien amusé. Il y a le petit Manu qui a passé la session avec nous. On a pas mal de monde qui sont passés nous voir tout le long du week-end. Voilà, on a fait des bons repas, des bons apéros, on a bien rigolé. On est content, on a fait du poisson, c'est le principal. On a fait du smile fishing. Voilà, c'était l'esprit smile fishing comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis nous, on languit déjà de retourner au bord de l'eau. Et comme on dit d'habitude, pêchez la vie. Gardez le smile et n'oubliez pas de partager et de partager et de partager. Voilà. Ciao. Allez, tout le monde. Il est pour toi celui-là, Nico. C'est comme ça qu'on optimise le rangement dans une polo. Et polo chargé à bête, la polo chargé à bête. Bon, la moitié des affaires c'est à Manu, les petites mallettes de poker, hein. C'est à Manu, mais regardez ça, 1, 2, 3, 12, 36, 46 millions. Manu, t'es trop fort, t'es le meilleur. La prochaine fois, prends-nous perceuse, cheville, perfo, le niveau de chantier aussi. Et là, on fait une installation de fou. Putain, cette logistique à remballer. Je suis mort.